grand-papa qui est dans le ciel. Comme tous les soirs, j'aimerais te parler. J'ai besoin que tu m'écoutes, c'est essentiel. Même si je peux pas voir où t'es caché. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai fait une prière pour te demander de faire en sorte que la tempête annoncée soit assez forte pour que les écoles soient fermées et qu'on ait une journée de congé. En me levant, j'ai sauté à la fenêtre pour voir que tu m'avais entendu. Dehors, c'était si blanc qu'on voyait pas l'autre bord de la rue. La fille de la météo l'avait prédit. Je me sentais comme au paradis. Je me suis vite remis au lit. Maman va venir me dire que je peux rester couché. Je me suis allongé sans trop bouger et j'ai écouté le moindre bruit de pas se dirigeant vers moi. Il y a bien eu des pas, mais il venait pas vers moi. Un bruit de porte qui claque et des éclats de voix. Dans l'entrée, j'ai entendu partir la voiture de papa. J'ai fermé les yeux en sachant ben trop pourquoi. Depuis un bout de temps, je suis habitué d'entendre crier. C'est comme ça souvent, faut pas trop s'en inquiéter. Maman dit que c'est des affaires de grands, que je dois pas m'en occuper, que c'est comme ça juste pour un temps, que ça finit toujours par passer. Ce matin, y a quelque chose de différent. Assis dans mon lit, je bouge pas, j'attends la nouvelle que maman va venir m'annoncer. C'est pas celle que je m'étais imaginée. Si je voulais qu'on se parle, mon grand-papa, c'est que j'aimerais corriger ma prière. Je veux plus de congés, plus de tempêtes. Je veux revenir en arrière. Parce que dans le fond, aller à l'école, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas.